On attend Quentin et Lisa et on leur a préparé une petite arche de bienvenue. J'espère qu'ils vont aimer le choix des couleurs. On s'est fait avoir, ils sont sortis par un autre endroit, du coup ils nous ont pris par surprise. Mais les voilà. Coucou, coucou. Quentin et Lisa. C'est le Wat Rong Kun. On part pour une petite balade pour aller voir des cascades et espérer revenir avant la nuit parce qu'évidemment on a mangé très tard. Vous savez qu'il faut 45 minutes pour y aller et que la nuit se couche dans une heure, ça va être un peu délicat. Différence de style entre Louis, chemise, pantalon, molki, et moi, t-shirt, jogging, banane. La classe ou pas? Non mais c'est parce qu'il y en a, tu vois, ça fait 10 mois qu'ils voyagent, alors du coup ils mettent ce qu'ils ont sous la main quoi. Les garçons nous font un repas indien. On voulait lui refaire une petite surprise qui ne le sera plus au moment du montage. On voulait leur faire un gros bisou pour nous avoir accueillis 5-6 jours dans leur maison et nous avoir fait découvrir le... Désolée, il y a des moustiques. D'avoir fait découvrir les camping, joies du camping. Le camping en Thaïlande, oui, tu peux le dire. Les joies du camping en Thaïlande, voilà. Et non, en vrai, le van est top. À part le lit qui est trop petit, ouais. Le van est top. Du coup, Quentin est en diagonale et puis moi, je dors pas. Je suis en boule. Non, c'était cool. Super cool. Ouais. Là, ils vont nous griller parce qu'on fait ça le troisième jour et qu'il reste encore 2 jours et que d'ailleurs ils arrivent. Alors, on fait gros bisous. Allez, voilà. Ciao. Ça, c'est du khao soi. C'est une spécialité de Chiang Mai, non, de la Thaïlande. Ça, c'est un pad thai chicken. Et ça, c'est des spring rolls frits. Ça, c'est du basil pork rice. Et ça, c'est une omelette thai avec le riz en dessous. Et là, et le porc qui est à l'intérieur. Thank you.
Genre vous partez. Et là vous vous retournez, vous faites salut. Voilà, c'est bien.